Donc ici, bonjour. Donc ici, je vois le message pour vous aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin que vous l'aidez. A besoin de votre coup de pouce. Que vous le tirez de là de où il est, de où il est. Que vous le tirez de là où il est. Oui. Il y a le passé qui est là. Il y a des choses de passé, de mal vécu, des histoires. Voilà, des histoires qui le bloquent. La vieille histoire bloque cette personne-là. Donc, je vois la victoire là. Mais il y a la révolte. Il y a la révolte intérieure. La personne, elle doit avoir le plaisir de vivre, puisque les choses vieilles et de mal vécues le persistent encore et encore. Cette personne-là doit prendre des décisions, doit prendre des décisions pour de nouveaux projets de vie. Pour de nouveaux projets de vie. Et ce projet de vie qui, ces décisions et choix à faire, c'est pour quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. C'est quelqu'un qui va rentrer dans sa vie. Donc, ce que je vois là, un mariage qui se va faire. Il y a un changement. L'argent va rentrer en votre vie. Et c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais d'abord, il y a la victoire là, si. Mais la révolte, elle est. La révolte, elle est à votre intérieur. Le guide est en train de l'aider à son intérieur, à son âme.
Mais c'est bien clair. Doit gagner le plaisir de vivre. Mais pour ces décisions, cette décision, choix que doit faire, quoi. Parce que c'est pas ce que j'entends, c'est ce que je ressens, ce que je vois, c'est qui, c'est par rapport à votre vie personnelle, à vous. Vous ensemble, je parle. Votre avenir. Voilà. Va avoir l'argent. Il y a un courrier qui va venir. Vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. L'amour, il va apparaître dans votre vie. Vous croyez pas? Je vois que vous croyez pas. Attention à la jalousie. Vous croyez pas. Autant que vous croyez pas, l'amour reste dans le cercle. Stagner. Autant que vous pensez. Voilà. Autant que vous pensez que c'est mensonge, des mensonges, c'est stagné, reste là, dans le cercle, et tourne comme une casserole que vous mélangez pour faire un gâteau, par exemple. Donc, reste là, stagné, autant qu'il n'y a pas la confiance. La stabilité en vous et dans l'autre personne que va rentrer, c'est comme fermer. C'est comme fermer. Oui, c'est ça exactement que je vois. Donc, c'est comme fermer une porte. C'est comme fermer la porte, cette porte-là, de ne pas y croire et aller vers l'autre qui vous attend. Qui vous attend pour le nouvel avenir ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça que je vois. C'est ça que je ressens. C'est une nouvelle porte qui est là, qui doit être ouverte pour vous. La chance, vous avez chance à découvrir, la chance à découvrir. Et là, vous aurez fait, autant que vous et l'autre personne, vous aurez fait les choix qu'il faut. Quand vous ferez, prenons les décisions. Vous prenez les décisions et faites des choix ensemble parce que vous y allez faire. C'est obligé. Il n'y a pas de contestation dans ça. Il faut accepter que c'est comme ça. Et c'est comme c'est dit là, en portugais. Sans
contester, je vois, accepter, voilà, les décisions de l'univers et de vous-même, puisque c'est vous qui avez choisi. Vous avez choisi ça ensemble dans des autres plans. Alors, acceptez. Je ressens, c'est une persistance énorme à faire. Habituez-vous, comme je dirais, je suis portugaise, donc il faut que je trouve les mots français. Habituez-vous à nouvelle situation, à nouvelle vie. C'est rigolo puisque ce que me montre, c'est que vous êtes dans la retraite, vous êtes retraité, c'est comme vous arrivez à la retraite et vous êtes dans la retraite. Et voilà. Vous arrivez à la retraite, vous êtes dans la retraite. Vous êtes obligé d'accepter que vous êtes dans la retraite. Donc là, c'est pareil. Vous êtes dans le nouveau changement. Donc vous sont obligés de prendre là les décisions ensemble pour sortir de ce stagnement, de ce rond-point, voilà. Vous allez même prendre de nouvelles directions. L'argent, il y est. De nouveau. Vous allez même prendre de nouvelles directions. Ah oui. Ah oui. Dites-vous que tout va bien plutôt. Jésus et notre mère me disaient souvent, même que va pas, dites-toi que tout va bien. Tout va bien. Et souris. Donc, c'est ça que je fais depuis de longues années. Je souris. Même que j'aille, comme je dis d'habitude, le couteau dans le cœur, je vais. C'est ça que je le disais. J'y vais, j'avance. Donc, dites-vous que tout va bien, puisque tout va bien. Dites-vous que tout va bien, que tout va bien. C'est l'arc-en-ciel de l'amour, de la paix. Faites la fête plutôt. Je fais des cercles de pleine lune chez moi. Oui, la confiance dans la divinité et en vous. Je fais des cercles, je viens de faire cette nouvelle lune-là. Je l'ai fait aussi. Je fais soit la pleine lune, donc la lune de laisser le vieux vécu derrière, soit dans la pleine lune, pour avoir des nouvelles choses, des nouvelles énergies, des nouveaux changements, dans votre vie. Donc, soit dans une lune, soit dans l'autre, je fais ici chez moi pour m'aider, pour aider qui participe. Et en même temps, il y a des soins qui se font en même temps. Des soins
personnel à chacun qui se fait en même temps qu'ils ont fait le